Ici. Débrouille ma puce. C'était pas bien bien dilaté ma puce encore. T'as est presque. J'ai pas un. Elle cherche à faire téter le chevreau aussi. Fais ma petite ouf. Mon petit ouf. Tu es gentil. C'est pas le tien, Manessi. C'est pas le tien, ça. Manessi. Non, ici nous ne va. Faut se dilater, ma fifille. On commence à respirer. On est ici, va. Moi, tu veux ne pas chercher une. Il faut arrêter ainsi la homéopathie pour essayer de la faire dilater un peu plus.
Magnifique nounou d'amour. Oh là là. Ça avance ma puce, ça avance ma chérie. Ma pupuce. Oh là là, ma pupuce. Magnifique nounou. Elle a le même profil que Pupette, tu vois, même physiquement la tête et tout, et le même truc à pas être bien dilaté. Ça va le nez, il respire même, tu vois, le nez qui s'ouvre. Allez, Manissi, on y, attends, l'autre. Manny. Allez, ça, c'est un peu doux. Vas-y, en même temps que ses contractions. Allez, hop. Vas-y. René, qu'il soit bien dégagé. Eh bien, t'as mal, j'imagine. Ouais, toujours les mâles qui sont gros. Ah, c'est ça, un deuxième. Oh, qu'est-ce qu'elle fait cette papate en l'air comme ça, hein? Voilà. Il y a des contractions. Il y a des contractions musculaires. Mon petit Tennessee va. Oh là là, on est contente d'avoir son bébé, ce Tennessee Noon. Oui, on dirait qu'il y a des yeux bleus. Bébé. Oh oui. Ma Nessie, nous, on a été courageuse, cette petite Nessie. Ma puce d'amour. Ha ha ha.
Allez. Hop, on va aller désinfecter le nombril. Et oui, donner un petit ensemencement de la flore.